comme convertis. Parce qu'ils savent bien que sans le peuple, la révolution, enfin sans la révolution des masses populaires, la révolution n'aurait pas eu lieu. Mais ils le montrent purement comme une sorte de masse de main-d'œuvre. Une main-d'œuvre qui va accomplir les desseins des révolutionnaires éduqués, de la bourgeoisie éclairée, qui s'appuie sur la contestation, les revendications populaires pour elle mener un projet